Et bonjour à tous, c'est Game Mario, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Katos, je joue sur la route de Sijun, je le dis à chaque début d'épisode. La dernière fois, nous, du coup, Sijun nous a un peu parlé d'elle. Qu'est-ce qu'elle avait dit déjà? J'ai déjà oublié, putain, ça fait même pas 2 heures, c'est terrible. Quand on pense à autre chose, on oublie. Si, la seule chose que je m'en rappelle, c'est que on a essayé de en fait réconforter Misha, qui en ce moment est très dépressive, hein, puisque bon, voilà. Est très dépressif sur le fait qu'ils sont disputés, qu'ils étaient, etc. Et surtout qu'elle nous a avoué tout ce qu'elle ressentait. Ça, c'était pas voir l'épisode concernant. Hein. Et également, il y a le frère et le père de Sijun qui a été rendre visite à l'école et nous avait demandé de faire un voyage. Mais vu que Sijun est trop occupé à réconforter Misha, eh ben elle a refusé. Du coup, là, on a trouvé du coup apparemment un plan parfait pour coincer Misha, tout simplement. Alors, bien que ça mette quelque peu à mal à l'aise, vu qu'on parle d'un être humain, la première étape est de coincer Misha. Bien que la situation soit un peu trop sortie d'un film policier pour moi, on arrive là parce que lui paraît normalement s'avérer presque impossible. Mais on a cours ensemble, même le premier cours de la journée. Bien qu'il faille attendre un moment pour que l'annonce arrive, à la seconde où j'entends qu'on va travailler en groupe aujourd'hui, Sijun et moi essayons de nous rassurer que Misha soit dans le nôtre. Tu sais, je trouve que Muto fait étrangement beaucoup de travail de groupe et d'études personnelles, tu n'es pas d'accord? Ah mais c'est facile alors ça va hein. Ouais, il y a d'autres choses que j'ai pensé récemment aussi, mais qui pourraient ne pas aller cela dit. Misha hoche la tête après chaque phrase et change directement le sujet. Ok. J'y ai pensé aussi et je ne travaille pas assez quand je travaille avec Sijun et toi. Donc je travaille plusieurs aujourd'hui. Donc me distrais pas, Ishan. Je dois rester concentré. C'est une esquive bien trop crédible. Sijun ne semble pas contente non plus, vu que Misha n'a pas pris la peine de signer quoi que ce soit de ce qu'elle a dit, faisant tourner un stylo dans sa main à la place. D'après la façon dont elle le fait en tremblant, je suis sûr qu'elle le fait pour ne pas se mettre à signer sans faire exprès. Vu comment est Misha, distraite et mal à l'aise, je doute que ce soit parce qu'elle veuille garder Sijun éloignée pour une raison malhonnête. Cependant, il est toujours évident que c'est une façon de prendre ses distances avec Sijun. Ah ok, on est cash. Bah, Sijun veut te parler. Bah, je peux pas attendre plus tard, Ishan? Non. Mais pourquoi pas maintenant? Bah, on est au milieu du cours. Maintenant, elle fait tourner un stylo dans chaque main, je commence à penser que le fait qu'elle signe puisse être devenu comme un tic nerveux pour elle. Ce n'est pas une bonne alternative, bien que la voir faire ça est impressionnant. Après les cours alors. Et boum la coince. Après les cours, je ne cache pas une seconde avant de me mettre en action. Yep, yep, yep. Alors que tout le monde sort de la classe, nous laissons juste tous les trois, Misha regarde tous les côtés sauf devant elle. Tu veux manger quelque chose? Et pourquoi est-ce que Sishan et toi n'arrêtez pas de demander si je veux manger quelque chose, Ishan? Parce qu'on va à la cafétéria, qu'on a pas mangé ensemble depuis un moment, alors pourquoi pas? C'est à propos du conseil des étudiants. Pour l'absence de réponse de Sijun comme une confirmation, Misha soupire. Oh putain, et Sijun, tu penses qu'à ça hein? Avant que Sijun puisse répondre, elle part. Je veux dire que je me sens pas très confiant après ce qui vient de se passer. Aucun de nous deux n'espérait que ça puisse se passer parfaitement, mais ça aurait été bien. Lisant dans mes pensées, si je me fais passer un doigt sur ses lunettes à un moment avant de signer. Je sais ce que tu penses, mais non, je ne pense pas qu'on devrait lui laisser de l'espace. Je t'ai dit que je n'aimerais pas aussi facilement. Enfin, maintenant je commence à me demander si c'est pas trop tôt. Tu as la frousse? Eh ben pas moi, je n'abandonnerai pas. Il y a une différence entre aider les gens et les cajoler. Je veux juste que Misha se ressaisisse et arrête d'agir aussi bizarrement. Je sais qu'elle peut le faire. Même si elle veut essayer, les gens ne changent pas en un jour. S'ils pouvaient, le monde serait un bien meilleur monde. Bien meilleur endroit. Bon d'accord, tu gagnes. Alors j'imagine que c'est le moment où on se sépare et on la cherche. Mais je suis le seul qui soit vraiment supposé la trouver. Si je la trouve en premier, je t'appelle sur ton portable. Souriant, si Jun sort son téléphone, je remarque qu'elle a un très grand nombre de messages non lus. On va voir sa réaction. Elle aussi. Descend son téléphone pendre en entendant Palestraft quelques secondes et grimace.
Oh, je n'ai pas utilisé ce truc. Pourquoi je peux pas juste claquer des doigts? Et puis quoi encore? Je suis pas un chien et ça va pas aussi vite qu'un téléphone. Tu t'amuses beaucoup, hein? Secoue la tête et continue. Il est assez évident de savoir où elle va aller. Tu ne peux pas la cacher sur les terrains de l'école. Elle voudra aller aussi loin qu'elle peut. Lui a fait le magasin de thé? C'est vraiment vide à cette heure-ci. Micha adore y aller quand elle loupe les cours. Elle adore les parfaits en vente là-bas. Ah d'accord, c'est un qui s'appelle parfait. J'ai envie de lui dire, tu la connais vraiment bien, mais réfléchissez trop et je comprendrai de travers. Donc je choisis de juste hocher la tête et de partir, jusqu'à ce que je sente qu'elle me retient par la manche. Quoi? Je dis ça instinctivement, oublié qu'elle ne peut pas m'entendre. C'est agréable de ne pas avoir fait ça tout seul. Maintenant je peux te faire confiance, je suis vraiment contente. Ça me fait plaisir d'entendre ça, je trouve rien à dire, et je me contente de hocher à nouveau la tête. Où est Micha? Je me dégageant à l'extérieur, je vais à l'arrière d'une tête de fille aux cheveux roses et je vais par là, réalisant que ce n'est pas le chemin à prendre pour sortir de l'école. C'est le chemin vers le conseil d'étudiants. Si je voulais éviter ces juges, je n'irais pas par là. C'est drôle que Micha aille dans cette direction. Alors peut-être qu'elle veut parler à ces juges. Auquel cas, je dois me demander si laisser les choses se dérouler par elles-mêmes serait une si mauvaise idée, surtout que ça semble aller dans une bonne direction. Soudainement, Micha s'arrête et se tourne, me prenant par surprise. Ah, surprise, Micha, tu cherchais, hein, je le sentais. Hein. J'allais dire, je te cherchais justement, mais ce n'est plus la peine maintenant. Quoi? Elle a même pas encore fini sa phrase, qu'elle passe comme une fusée à côté de moi, se dirigeant vers la sortie. Je dois admettre que Micha est vraiment bien plus maligné que je l'aurais cru. Elle est tellement rapide aussi. Bien que ce soit plus difficile physiquement que je l'aurais cru, j'ai réussi à la rattraper avant qu'elle arrive au portail. T'es vraiment la femme, puis même poliment d'un à tes instants. Tu peux pas arrêter de t'enfuir une seconde, je veux te parler. Micha se tourne les talons, elle a l'air un peu amusée, et lève les mains comme pour me dire d'accord. Mais maintenant que j'ai son attention, j'ai du mal à trouver la bonne chose à dire. Où tu vas? Au Shanghai. Je peux aller avec toi? Attends, sa réponse en durait une éternité. C'est pas comme si je pouvais entendre ma montre égrenée chaque seconde. D'accord. J'ai le sentiment qu'elle a assez juste parce que. Elle n'a pas envie de continuer la conversation. Voilà. Que nous arrivons, un couple vient après nous, faisant sursauter Micha. Voyant que ce n'est pas si jeune, elle se relaxe, souriant presque comme d'habitude, en commandant un parfait à Yuko en se dirigeant vers la table la plus proche. Tu t'enfuis trop vite, tu aurais au moins pu attendre de voir ce qu'elle allait dire. Le fait que Micha s'énerve indique peut-être qu'elle est effrayée de ce qu'aurait pu dire Sijun. Pourquoi vous faites ça tous les deux, Ishan? Parce que Sijun veut toujours être ton ami et je crois que elle, c'est comme lancer un missile nucléaire depuis un sous-marin. Il faut deux clés pour ça. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre après tout? Elle ne sait plus automatiquement tout ce qu'elle entend ou dit maintenant. Je suis sûr que c'est pour ça que Sijun a eu autant de mal avec elle. Quand elle essayait juste elle voulait juste en parler, tu ne l'écoutais pas. L'expression coupable de Micha indique que j'ai appuyé là où il faut. Tu détestes vraiment Sijun à ce point-là? Non, Ishan, je l'ai dit ça. La réponse. Elle répond sans tressaillir, jouant avec une cuillère. Ouais, je sais. Je suis sûr qu'elle le sait aussi, mais je demande si ça serait plus facile si c'était le cas. La seule chose à laquelle elle a réfléchi ces dernières semaines est comment te rendre heureuse. Vu qu'elle est toujours. Attends, c'est une belle musique ça. Ah non, Nocturne, pardon. Je l'entendais pas beaucoup. Tacha à toi. Hier, cela dit, elle a pensé que ça serait peut-être plus facile si tu la détestais. Quand tu lui as pas dit que tu la détestais, Sijun croit que vous pouvez toujours être amis. Et elle est comme ça, pensant seulement aux extrêmes. Son parfait commence à fondre. Les ingrédients commencent à se rejoindre dans les petites rivières qui me rappellent les racines d'un arbre qui grandit sur les photos prises durant un grand laps de temps. Ah, c'est stupide, Sijun n'est pas stupide, Ishan, sois pas ridicule. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Les gens intelligents peuvent faire des choses stupides. C'était terrifié. J'étais terrifié la semaine dernière quand on a parlé, mais j'étais soulagé parce qu'on aurait dit que les choses auraient pu revenir à la normale. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez une dispute juste après. C'était pas une dispute, Ishan, j'ai juste crié dessus. J'ai remarqué que la voix de Micha ne change jamais de ton, juste de volume. Sa voix est si
est si faible par la culpabilité que j'ai du mal à croire que ce soit la sienne. Dans tous les cas, j'étais contente parce que j'ai cru que vous pouvez toujours être amis. Elle a besoin de toi. Non, c'est pas vrai, Isha. Bah, comment tu sais ça? Il y a beaucoup de choses que si je ne peux exprimer, dire, raconter, j'ai peur que je dise la mauvaise chose, ça ruine l'ambiance. J'ai envie d'une conversation avec elle et je veux pas la gâcher. Je demande si c'est la première fois qu'elle a eu une conversation honnête avec moi. Tu es con quoi? T'as quand même avoué ses ressentiments, donc c'est pas la première fois. Le simple fait que tu l'aies pas dit ne veut pas dire qu'elle ne t'apprécie pas. Mais c'est pas logique. Bah si, sinon elle se disputait avec toi. Nah! Donc tu crois pas, elle se dispute avec tout le monde, alors pourquoi pas avec toi? Parce que tu es son amie et qu'elle t'accorde de l'importance. Et si je en souffre aussi. Elle est juste pas douée pour exprimer ses sentiments. Elle le fait généralement de la mauvaise façon aussi. Mais elle t'adore quand même. Hicham, tu te rappelles quand j'ai dit que je voulais pas détester Sijun ou lui faire de mal? La vérité est que j'ai fini par faire les deux. Maintenant, il y a genre une gêne entre nous deux. C'est difficile à expliquer. Si t'es tu tous les deux, tu disais que tu voulais pas t'éloigner de Sijun, mais tu laisses quand même ça arriver. Et Sijun ne fait pas mieux. Elle veut que tu sois son amie, mais te respecte trop pour être aussi agressive avec toi qu'elle pourrait l'être avec n'importe qui. Et je suis sûr que Micha interprète l'espace que lui donne Sijun comme un manque d'intention. J'ai déjà tout foiré, Ishan. Ça arrivera encore, je suis sûr. Et quand j'y pense comme ça, je sais pas ce que je suis censé faire. Ça ne fait qu'empirer les choses, alors c'est mieux que si je fais rien en fin de compte, hein. Ça paraît ridicule. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Sois plus positive. J'allais lui dire, ça devrait être facile pour toi, mais ça ferait présomptueux. Ça ferait présomptueux. Hey Shan, je savais pas que tu étais si optimiste, je m'y attendais pas. J'ai toujours si longuement quand j'essaie de te surprendre. Non, c'est juste récent chez moi, vraiment, je déteste quand les gens abandonnent trop facilement maintenant. Maintenant, hein? Ça m'énerve quand les gens abandonnent. J'avais l'habitude de penser qu'abandonner était une façon de s'enfuir, vu que c'est comme ça que les gens décrivent toujours ça. Mais maintenant que j'y pense, c'est plus comme jeter quelque chose. Quand tu fais quelque chose, tu peux y penser comme si c'était toujours là. Quand j'étais à l'hôpital, je ne voulais pas juste fuir mes problèmes, je voulais aussi ne plus jamais y penser. Micha mange une cuillerée de sa crème glacée grise et un peu fondue. Est-ce qu'elle vient vraiment de se rappeler qu'elle était là? Ou est-ce qu'elle l'aime comme ça? Dans tous les cas, ce que je veux dire, est-ce que tu peux pas faire ça? Les gens sont trop sentimentaux pour que tu puisses juste jeter des souvenirs d'eux. C'est impossible. Si June ne pense à la vie en termes de victoire et de défaite, tu crois pas qu'elle aimerait ne pas avoir à se rappeler les fois où elle perd? Tu peux pas juste choisir. C'est comme vouloir vivre dans une bulle. Le pire est que ta façon de penser est destructrice. Ça te rend tellement permissif que tu as peur de tout. Allez, je lui attrape ma main et fais signe à Eviko avec le pour payer ce qu'on a pris. Et où est-ce qu'on va maintenant? On retourne à l'école avec le déjeuner soit fini et je veux passer à certains endroits avant. Oh putain, la musique elle arrive d'un coup. Bien que je me sens fatigué après d'avoir fait avec ce qui est peut-être décrire au mieux comme un jogging rapide, Micha et moi arrivons finalement aux portes de l'école avec une dizaine de minutes d'avance. Je voulais même pas vraiment venir dans cette école. Tu sais, je n'avais même pas le choix. Quand je suis arrivé à cette porte, je suis sûr qu'une partie de moi pensait quel endroit déprimant. Ça me semblait pas déprimant du tout pourtant. Je croyais avoir tout compris. Je me sens pratiquement comme une nouvelle personne. Si je pouvais, je retournerais dans le passé et me dirais d'arrêter de croire que je peux tout juger d'un seul regard et d'agir comme si ma vie était déjà finie. Et je peux encore m'amuser. Il y a pas mal de monde sur le terrain de l'école. C'est l'heure de déjeuner donc c'est normal. C'est là que Sijin et toi m'avaient fait vous aider à mettre en place deux festivals. Vraiment beaucoup de travail. Je pensais, je n'ai pas le temps pour ça. Quand j'y pense, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait tant que ça. Et je n'avais aussi rien de mieux à faire. J'aurais juste passé mon temps tout seul. Je traîne jusqu'à la salle principale qui est vide déception de Muto qui essaie de manger un sandwich avant que. Ah non, qui est vide à l'exception de Muto qui essaie de manger un sandwich avant que le cours ne reprenne. À chaque fois que vous pensez que je pensais à l'un d'entre vous, j'espère que juste que vous me laissez seul, quel que soit où. Laissons Muto à son déjeuner. Nous dirigeons vers le distributeur le plus proche et je prends un soda pendant que j'ai encore 5 minutes. J'ai passé la pause déjeuner entière avec Micha, ce qui est plus longtemps que ces derniers jours réunis. Quand vous me suivez à Cafetaria, vous essayez de me courser après les cours. J'ai jamais réalisé
qu'on avait parlé que, genre, 4 fois. Ça me restait vraiment en tête. Je réalise seulement que maintenant. Ah, je me rappelle de ça, Ishan, mais je sais où sont tous ces endroits aussi. Attends, laisse-moi finir mon tour guidé. On n'a plus beaucoup de temps à propos. Tu veux un soda? Nous dirigeons à l'escalier. Je suis content de ne pas avoir à la tirer par la main maintenant. T'as le vertige dans les escaliers, c'est ça? Ouais. Alors là, ça suffira. Je m'adosse au mur alors que Misha s'assied sur les manches. Sur les marches? Sur les marches, putain. Les gens avec qui tu as été en primaire ou au collège te manquent des fois? Non. C'était rapide, mais même pas pensé, j'ai grimace par réflexe. J'avais plus d'amis dans mon ancienne école. Et je leur parle plus maintenant. J'ai l'impression que c'était dans une vie antérieure, ce qui est triste en 8%. Des fois, j'ai envie de leur reparler, mais je sais que je ne peux pas. J'ai peur. Et je suis embarrassé. Des trucs comme ça. Ils sont trop loin pour moi pour que je puisse les voir maintenant. Alors j'envisage de les appeler, mais je connais pas leur numéro. Et je suis parti sur une mauvaise note. Alors pourquoi est-ce qu'ils voudraient me revoir? J'ai l'impression que je devrais juste oublier. Mais j'y pense toujours et regrette de ne pas avoir plus essayé de rester en contact. Et je commence à penser que peut-être oublier serait une mauvaise chose. Ce serait une insulte pour tous les gens avec qui je me suis amusé et passé du temps. Comme je l'ai déjà dit, même s'il y a des mauvais moments aussi, c'est pas grave quand tu peux repenser au bon moment. Je ne pensais pas comme ça avant. C'était comme si je m'étais réveillé un jour et j'avais réalisé que je n'avais pas d'amis. J'ai perdu tous mes amis et c'était horrible. Je détesterais vraiment ce qui si Jun et toi finissaient pareil, c'est tout. C'est tout? Ça me rend triste de penser que tu puisses faire la même chose et repousser ton ami. Surtout que vu que tu n'es pas loin de Sijun. Je veux dire, tu vis dans un même dortoir. Ami, tu es mon ami aussi, hein, Ishan? Ouais. Tu as dormi tout le long, mais les feux d'artifice étaient vraiment bien au festival. C'est la première fois que je voyais des feux d'artifice comme ça. Et la première fois depuis longtemps que je voyais vraiment le ciel. Et je n'avais jamais vraiment regardé les étoiles avant non plus. J'avais feuilleté un livre à l'hôpital sur ce sujet et j'ai beaucoup appris. Du genre que les étoiles ne se contentent pas de brûler, qu'elles sont plus que comme une suite de constantes explosions, et qu'elles sont si loin que certaines étoiles qu'on peut voir peuvent être éteintes depuis des milliers d'années déjà. C'est juste que leur lumière atteint seulement maintenant la Terre. J'ai vu qu'une maquette comparant la taille de la planète avec le Soleil, et après d'autres soleils. Le Japon n'était même pas visé sur la petite planète dans le livre. Tu sais ce que j'ai réalisé? Un manga attendant la suite. Ils sont incroyablement brillantes. C'est vrai. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Ishan? Faire quoi? Je suis pas idiote. Ah, je sais pas, hein, plusieurs raisons. Parce que tu es l'ami de Sijun, et que j'aime à quel point vous êtes proches. Et peut-être que j'essaie de te dire qu'on a tous nos défauts. M'abandonner est idiot. Alors ça me semble valoir le coup. C'est la seule raison. Et tu es mon ami. C'est tout? Bah je peux pas faire quelque chose sans raison. Ah, tu peux, mais je veux savoir. Ah bah, qu'est-ce que tu veux entendre, hein? La cloche sonne que Misha puisse répondre et finisse par rire à la place. Ah! Ok. Putain, on a dit tout ce qu'il y a dans le cœur. On a parlé de notre vie en général. J'espère que ça a changé quelque chose. Sur Misha. Du coup, peut-être qu'elle va aller vers. Je vois moins Misha les jours suivants, mais je m'inquiète pas, parce qu'à chaque fois que je la vois, elle ressemble plus à son ancien elle. Une fois qu'il est suffisamment clair que ce n'est pas mes espoirs qui me font imaginer ça, je commence à me détendre un peu. Ah non. Je me réveille très tôt et me sens malade dimanche. J'ai été me coucher trop tôt la nuit dernière aussi. Quelque chose ne va pas avec mes rideaux et ils se ferment pas correctement. À cause de ça, je peux pas essayer de me rendormir, j'ai le soleil dans les yeux à chaque fois. Je suis sûr que c'est probablement pour ça que je me suis réveillé si tôt le matin. Wow, être aussi malade et fatigué est à côté de me menant à la frustration. Je suis presque content quand quelqu'un frappe à la porte. Putain, pas lui. C'est une personne qui m'est familière, qui tient une pomme presque entièrement mangée à la main. Quoique une dernière fois dedans, il essaie de la lancer dans ma corbeille et elle loue complètement. Et elle s'explose sur le mur à peu près 2 mètres trop. Pour être honnête, la plupart des morceaux restants réussissent à se tomber dans la corbeille. Je suis sûr que personne n'est assez effronté pour faire ça volontairement. Ah, tir parfait. Quoi de neuf, coloc? Je suis pas trop collé, on vit pas ensemble. Oh, peu importe. Si, tu devrais au moins connaître la différence entre vivre ensemble dans le même bâtiment et vivre ensemble dans la même chambre. J'ai besoin d'utiliser ta chambre. Pourquoi? Ah, j'ai foiré, j'aurais dû dire hors de question. Cousin, t'es dur quand tu as à me livrer mon colis.
Même après que j'ai demandé qu'elle me mette dans mon casier ou autre. Mais elle continue de me mettre sous ma porte, me livrant mon courrier sans que je le remarque. Donc aujourd'hui, je vais me taper en attendant qu'elle agisse. Comme une détective ou un chasseur de safari. J'ai besoin de rester dans ta chambre aujourd'hui et de regarder via le trou de la serrure. Sinon, je pourrais pas les prendre sur le fait. Et peut-être demain aussi. Ça va être génial. On prendra de la pizza les deux jours. Ou peut-être qu'on devrait prendre la pizza un jour ou quelque chose d'autre le deuxième jour. Et quoi? Et quel jour et le jour de la pizza? Bah aujourd'hui, jamais. Tu sais, je suis dans le conseil des étudiants. Pourquoi tu m'as pas juste demandé? Si là, elle fait, j'aurais pu m'en occuper très facilement. Je n'aurais pas eu Kenji dans ma chambre. C'est gagnant-gagnant, sauf que j'imagine que là, il va pouvoir m'escorter une pizza. M'escorter une pizza. Je commence à penser que c'était peut-être le but de Kenji depuis le début. Mais non, je doute. Il est impossible qu'il ait pu prévoir quelque chose d'aussi élaboré. Tu sais? Ouais, quand il livre le courrier, bah non, mais il me donne le mien. Quand je veux occuper des étudiants généralement. Mais je pourrais leur demander, alors je pourrais te le dire. C'est comme ça que les gens découvrent des choses en demandant. Ah, par les hommes des cavernes, et ouais, pas de réponse à ça, hein, échec et mat. Utilise ton propre trou de serrure. Et si elle me voit? Bah, elles ne peuvent pas, c'est le principe des trous de serrure. Toi seul pourras voir. Ah, c'est vrai, enfin, pas moyen, elles s'attendent que je sois dans ma chambre, de toute façon. Elles sentiront ma présence et sauront que je serai là. Elles s'attendraient jamais à que je sois dans ma chambre d'en face. Je vais au bureau de conseil des étudiants, je vais te prendre ton curieux. Et je vais prendre ton courrier tout de suite. Dans ce cas, je peux pas te laisser partir. C'est idiot, et si je dois utiliser les toilettes? Tes tours ne marcheront pas avec moi. Oh putain. Je me assis à mon bureau et commence à faire mes devoirs pour le week-end. Tu sais, tu as fini par sortir à un moment, hein. Tu peux pas rester là pour toujours et me garder éternellement. C'est ma chambre en plus. C'est ma chambre. Ouais, mais je pense pas pouvoir. À quelle heure est-ce que le curé arrive? Maintenant. Mais pourquoi les femmes sont silentes? Et pourquoi tu te préoccupes pas autant du courrier après tout? Tu attends quelque chose? J'attends toujours quelque chose, pas aujourd'hui cela dit. Tu veux qu'elle envoie quelque chose pour toi? Tu envoies des choses parfois? Tu envoies des choses parfois? C'est comme ça qu'elle t'attrape, je n'ai pas envoyé de courrier depuis que j'ai 8 ans. J'ai envoyé une lettre à Lego pour leur demander de faire des Lego Dragon Ball. Ils ont dit qu'ils pouvaient pas avoir les droits. Ils m'ont donné des bons de réduction et ça a valu le coup et après je me suis assuré de faire profit bas. Tu n'envoies pas de courrier hein? J'ai écrit à mes parents la semaine dernière. Mais c'est comme ça qu'elle t'attrape. Ouais, j'aurais dû savoir, mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont inséré cette mini puce en moi l'autre jour. Donc les rumeurs étaient vraies. J'aimerais savoir d'où il tient cette rumeur. Bah, je plaisantais, c'est une blague. blague, merde, tu me ferais des blagues. J'imagine que c'est ce qu'on ressent quand on te fait des blagues. Je n'aurais jamais cru que ça m'arriverait. C'est sérieux, mec, je crois que tu ne comprends pas les profondeurs de mon dilemme. En plus, des actes compliqués avec plusieurs joueurs, c'est vraiment dur, d'accord? Et après que j'ai fini, je mangerai un poisson entier pour célébrer. Ah merde, je voulais une pizza, je veux toujours une pizza. Je peux avoir de poisson sur la pizza, ils font ça maintenant? Alors c'est toi qui paye, tu m'as toujours pas remboursé, j'ai pas faim de toute façon. Ah t'es pas dur pour une pizza, c'est pas possible ça, fisson. Ça se doit d'être une pizza, je suis au stade pizza de ma vie. Avant j'étais au niveau glace. Ma petite copine n'arrêtait pas de manger toutes les fraises de mon napolitain, ça t'arrivera pour moi aussi. Vite de dire s'il est sérieux, la moitié du temps je peux seulement voir son expression quand il n'a pas le nez contre la porte. Ah j'en doute et... tu sais que j'ai une petite copine hein, pas Yomanako non plus, la présidente du conseil d'étudiants à vrai dire. Ah je le sais depuis longtemps hein. Quoi sérieux? Ah j'ai mes sources. Bref, je me suis rendu compte que j'étais devenu trop... Oh bien. Bref, je me suis rendu compte que j'étais devenu trop gros avec toutes ces glaces. C'était une mise au point difficile. Comme dormir sur une plage et se faire réveiller par une vague qui détruit ton château de sable. Je commençais à courir. Je devrais prendre du poids. Je devrais perdre du poids, mais peut-être que je courrais pour me fuir moi-même. Ah! Une série de frappes soudaines me fout bruit en arrière, suffisamment pour qu'il cogne le mur derrière lui. Je profite de l'opportunité pour marcher jusqu'à la porte pour l'ouvrir. Bonjour, quoi de neuf? J'ai entendu dire que si tu mettais du sel devant ta porte, elles ne seraient pas entrées si elles ne sont pas invitées. Je vais pas mettre du sel devant ma porte. Mais tu l'envisages bien. Bonjour, tu es là pour délivrer le courrier? Franchement, la tête, si j'ai agi quelques enveloppes devant nos visages, je les prends en libérant ses mains pour conserver.
Comment tu savais? Ah, tu l'as caché derrière ton dos, c'était vraiment évident. Elle a caché quoi? Le courrier. C'est ce qu'on a fait, le courrier. Apparemment, je n'essayais pas vraiment de les cacher de toute façon. Ah, ça se ressemble pas, tu es du genre à penser qu'il ne faut pas faire les choses qu'à moitié. Ah, des filles qui prennent l'initiative, et moi, je dis cette phrase depuis des années. Ouais, la parole, frérot. Je crache littéralement de l'or et vous, les femmes, les voler, le porter comme c'était d'Europe pour le prix d'une. Vous êtes le picard de mon. Kirk. Ou peut-être même Janeway. Pas tout le temps, tu te moques de moi. Remarquant finalement Kenji, elle lui fait un signe. Kenji, à présent, du concept, te dit salut. Ah, salut. Présente-moi. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a dit, mais il semblerait sûr de lui. Oh oui, personne n'est plus doué pour lui pour dire ce genre de choses avec assurance. Je l'ai déjà fait, je t'ai même présenté par ton titre. C'est Kenji, c'est le gars qui habite dans la chambre d'en face de la mienne. Bref, tu as son courrier aussi? J'ai juste ton courrier parce que tu étais là, parce qu'il était là. Quoi? Je livre juste ton courrier parce qu'il était là, j'y ai accès plutôt. Tout est une question de localisation. Considère ça comme un avantage d'être de conseil des étudiants. C'est pas de chance ça, le pauvre. Ça semble pas être très équitable, ça. Elle prend beaucoup de liberté grâce à sa position. Moi, ça reste de petites choses. C'est la première fois que je suis vraiment capable de voir ta chambre. C'est un mensonge fraglante. Ou elle aurait signé beaucoup plus vite. Je suis sûr que si juste ça rappelle que c'était pas la première fois. Pourquoi est-ce qu'il peut voir ta chambre et moi je peux pas? C'est un truc de mec? Non, il y a pas de club secret pour les mecs. Ah, il devrait y en avoir avec des blagues, des bagues, avec des emblées qui défoncent et de l'or. Tu es sûr? Tu es vraiment sûr? J'ai cru qu'il y avait une fraternité secrète des hommes. Pourquoi est-ce qu'il m'ignore? Laisse-moi lui parler du club des mecs. Et aussi, c'est quoi cette histoire de signaux des mains? Est-ce qu'elle essaie de me jeter un sort ou un truc du genre? Non, restons dehors de ça. Je vais devoir traduire tout ce que... Non, laisse-moi dehors, je vais devoir traduire tout ce que tu lui dis et je suis pas sûr d'y arriver et elle te comprendra sûrement mal. Et puis tu comprendras mal la réponse et je vais devoir traduire que tu refutes. Réfuter, pourquoi est-ce que je me réfutais? J'aime bien mon fût. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit qu'il ne va pas réfuter. Réfuter quoi? Je n'avais pas encore commencé à le défier. Je n'ai pas la façon dont elle dit ça, donc il apparaît qu'elle le veut. Mais à quel propos? Ça importe peu, puisque ça finira mal dans tous les cas. On ne cherche pas les problèmes quand il n'y en a pas. J'ai jamais rencontré tes amis, pourquoi je peux pas? On dirait qu'il est passionné. Enfin, passionné par quelque chose, mais bon, hein. J'imagine que vu la façon dont il s'agite, il serait bête d'espérer que si je pense à autre chose. Mais bref, je ferais mieux de changer de sujet. Non pas que je pense que ça puisse marcher sur elle, mais je suis sûr qu'elle est venue pour une autre raison que celle de me donner mon courrier. C'était pour si peu, il m'aurait pas pris la peine de frapper. Tu n'es pas venu pour que je me donne mon courrier ou discuter avec mes amis, hein. J'ai une claque des doigts de frustration, ce claquement est toujours aussi bruyant. Ah, tu as raison. Allons quelque part. T'as déjà une idée de où? Effectivement, allons à l'endroit habituel. Elle sort un sac rempli de Tupperware bien fermé qu'elle avait posé à côté de la porte. Je me dis qu'il a mangé à l'intérieur. Et cette fois, ça ne sent pas acheté en magasin, le posant entre ses pieds et continue. C'est pour moi. C'est la vraie surprise. Alors, il faut que j'aille quelque chose sur tout le monde au bout. Il faut que j'aille quelque chose sur tout le monde au bout de compte. Je hoche la tête de la façon dont con les gens de faire quand quelqu'un fait une remarque en face d'entre eux et qui dit qu'on fait ce qui est vrai à la base. Ouais, bah d'accord. Si vous comptez m'améliorer tous les deux, je m'en vais. Vous êtes cruel, vous regretterez. Wouah, nouvelle image! Peu de temps après, nous rentrons sur le toit de l'école. Est-ce que c'est peut-être minié? Ah, ça zoome aussi. Est-ce que c'est habituellement déserte à cette heure-là? Une belle journée. Le week-end? Non, bien sûr que non, je ne peux pas penser que c'est à cause de 6 June. Non pas que vider le toit requiert plus que de mettre un signe sur la porte. Je suis super voir qui contient le repas que m'avait préparé 6 June est posé à côté de moi. C'était un autre pas silencieux. Vu que tenir les baguettes nous empêche de discuter. Bien que ça ne souffle pas suffisamment pour être un problème,
Le vent est un peu fort aujourd'hui. Le sac plastique s'envole et virevolte un peu avant de passer sur mes jambes et avant d'être arrêté par la pointe des pieds de Sijun. Immédiatement, elle l'attrape et commence à faire des signes, ne semblant pas contente que je ris. Même si elle essaie de me pas rire elle-même. Avec le sac la gênant, cependant, elle a fini par s'asseoir dessus pour continuer. Très drôle. C'était comment? Ah, le repas, il avait un goût familier. Ça veut dire que c'était mauvais. Non, je me rappelle d'avoir mangé l'exact même repas quand tu l'as fait. Pas exactement le même, les crevettes frites, c'est nouveau. C'est la seule chose que je sais faire, mais j'aurais dû... Ah merde, pardon. C'est la seule chose que j'aurais dû faire, mais j'aurais dû m'améliorer. Tu l'as fait combien de fois en tout? C'est la seconde fois. Que tu fais ce repas en particulier? Que je cuisine. La prochaine fois, c'est ton tour d'essayer. La façon dont elle continue... Dont elle a... Qu'elle a de continuellement tirer sur le coin du sac me perturbe. Je crois que je sais pourquoi elle fait ça. Ça t'embête vraiment à ce point-là? Je veux bien les ranger. T'embête pas, je vais les prendre. Avant que je ramasse cette superware, je réalise qu'elle a dû faire beaucoup à manger pour pouvoir remplir tout ça. Je n'ai même pas tant mangé. Si je ne dois avoir un sacré métabolisme pour manger tout ça. Oh là là! Même si je ne suis debout que depuis une seconde, c'est suffisant pour que je trébuche bêtement tout seul, arrivant à me retenir à tomber la tête la première. Je finis à genoux juste à côté des cuisses de Sijun. Oh bordel. Alors que je me redresse, une main serrée contre ma poitrine. Tout à ce que je pense, c'est la douleur que j'ai au coude et comment cette chose aurait pu me tuer. Je sens en nausée. Sijun appuie sur mon épaule pour m'aider à me remettre droit et je remarque qu'elle me regarde bizarrement. Malheureusement, même une légère poussée est suffisamment pour me prendre par surprise. Tu vas bien? Je hoche la tête, mais nous réassérions pas l'un à côté de l'autre. C'est normal, étant seul avec Sijun, il y a beaucoup de silence. Je commence à ne remarquer que maintenant. Encore une fois, elle est celle qui brise la glace. Je m'attendais pas à ce que tu tentes quelque chose de pervers. Et maintenant, l'ambiance devient gênante. D'accord, d'où? Comment va Misha? Misha semble plus contente maintenant qu'elle est redevenue comme avant. Je me suis dit que ce serait une bonne façon de le célébrer et de te remercier de l'avoir aidé. Seulement, ça t'interrompt un moment pendant qu'elle dit le dernier mot de la phrase. Tu penses trop comme une femme d'affaires. Je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça qu'on m'a appris à faire les choses. Ça fait plaisir que tu demandes des nouvelles de Misha. Il n'est pas très exact de dire qu'elle reviendra comme avant. Elle ne sera qu'avec toi. La Misha que tu connais est complètement différente de celle que je connais moi. Je me rappelle quand je l'ai rencontrée la première fois. Mais elle est mieux quand elle est joyeuse et souriante. Elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme elle est généralement. Je demande si c'est vrai pour toi aussi. Je ne réponds pas. Bah, si Misha est heureuse, alors ça importe peu. Et si ça s'est arrangé en fin de compte, ton plan a marché. Je la reconnaissais aussi bien que tu l'as dit, je savais que tout ce qu'elle dirait. Si tout l'aider était que je lui parle moi, alors ça ne ferait pas de moi ta marionnette. Je n'ai rien fait alors. Ah, ce n'est pas vrai, c'était Tony Ute à la base. J'avais tort et d'une façon très honorée de voir les choses. Maintenant que j'y pense, je suis sûr que tu le sais. Des fois, je gère tout comme une compétition entre moi et tous les autres, mais il n'y a pas d'autre intérêt à cela. Des fois, je sais à quel point c'est facile d'ignorer quelqu'un quand il n'y a que les signes. J'aurais dû demander l'aide. J'étais tellement sûr de pouvoir me débrouiller. C'est courageux ce que tu as fait. Même si tu ne vas pas en récolter les crédits. Ça, mis à part, tu t'es vraiment conduit admirateur en ces derniers temps. C'est très dangereux qu'elle me compliment comme ça alors que son expression faciale n'a pas changé du tout. Mais les gens ne changent pas si facilement, selon toi, c'est ça? Me fait un clin d'œil, s'amusant clairement. Bah, est-ce que Misha te dit tout? Presque tout. J'imagine que tu vas me dire que j'ai tort là-dessus. Hein. Oui et non. Je suis celle qui a dit ça à Misha avant n'importe qui. Elle a mal compris. Ce n'est pas facile, mais le fait qu'elle agisse comme ça rend ça impossible. C'est possible si tu le fais peu à peu. J'envisage d'essayer d'être moins compétitive. Bah, je pensais que tu appréciais ça pourtant. Ah, peut-être juste un peu, mais c'est pour ça que j'ai spécifiquement utilisé le mot « moins ». Elle s'adosse au grillage. Il y a des choses que j'ai envie de lui dire, mais ça ne semble pas être le bon moment pour ça. C'est un sentiment que j'ai. Je sais qu'elle n'a pas encore fini. Beaucoup de gens pensent que j'en fais trop. J'ai toujours pensé ce que je faisais juste ce qu'il faut. Le bruit que fait le grillage alors qu'elle s'adosse contre lui, et le délicat
et le délicat de son aigu, ses boutons de manchette frottent contre les fils de fer sont étrangement apaisants, tout comme la légère brise venant de derrière. Si je ne regarde également vers le bas, je me demande si elle croit toujours qu'elle manque quelque chose. Le clapon de doigts qu'elle utilise pour attirer l'attention des gens prouve aussi qu'elle a une compréhension du son. Ça doit être bizarre d'être capable de le comprendre, mais pas de l'expérimenter. Elle commence à marcher lentement sur le toit, restant collée au grillage, frottant ses boutons de manchette contre les fils. Ce n'est pas rythmique du tout. Je pars dans mes pensées pendant qu'elle fait ça. Je sors de ma torpeur quand elle tourne autour de moi et me tape sur l'épaule. Tu te rappelles de quoi on parlait? Quand maintenant, bien sûr, ça vient juste d'arriver. Ça fait presque 10 minutes. La première fois que je t'ai vu, tu semblais très attaché à l'idée de te sentir désolé pour toi. Pour toi-même. Ça fait mal, même si c'est vrai. Désolé, désolé. Hein. Ça m'a donné envie de te remonter le moral dès le premier regard. J'avais peur que ce soit pour rien aussi. Je pensais que ça serait dur de te faire changer d'avis. Mais c'est quand même arrivé. J'ai trouvé ça très surprenant. Et tu étais facilement influencé. Quand même bien, j'étais surpris. Ça m'a fait reconsidérer beaucoup de choses. Comme tout ça valait le coup, en fin de compte. Tout. C'est pour ça que je t'apprécie. Ah, je vois. C'est agréable d'enfin savoir. Je peux voir l'heure. En cas où, si je dois m'arrêter, j'ai aucune idée là. En vrai, là, je suis à fond dedans. Même si ça fait longtemps que je lis. Ah oh. Bon, finalement, en réfléchissant, je pense que je vais m'arrêter là. En vrai, c'est bizarre, mais plus j'avance, en fait, moins je trouve d'épisodes, en fait. Le nombre d'épisodes... parce que là, je sais pas du tout comment l'appeler, hein, l'épisode. Hein. Mais bon, merci d'avoir regardé cet épisode. Et aussi, j'ai regardé combien de scènes il restait. Eh bien, il en reste peu. Donc, en vrai, je pense que la prochaine fois sera la fin de la route de Sijun. Et du coup, dans 2 épisodes ou 3, parce que s'il faut, il va en falloir plusieurs. Et ben, ça va être les autres choix. Et j'ai vraiment hâte de faire ça en vrai. Je veux absolument savoir la fin triste si on a réussi à réconforter Misha. Peut-être qu'il y a une scène de cul qu'on n'a pas vue et ça serait important de le voir. N'importe quoi. Bon, allez, bon, je dis à tous et à la prochaine pour l'avant-dernier ou le dernier épisode. Avant les avant-choix, bien sûr.